Tan kes keli. Ati kundu je kunu ta. Comment se passe, s'il te plaît? Je vais pas commencer à m'emmerder là. Lele, 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 lele
Ivo Linda. Je ne sais pas si tu es là. Bonsoir. Comment bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ah, mes pensées sont ouf. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous pouvez m'appeler Octavie Umba, notre sœur Octavie Umba, s'il vous plaît. Octavie Umba. Alors pour vous qui êtes là, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Cabane vidéo parce que Béchine bosse, l'outil, font kouba. Béchine font kouba l'outil, mais pas de faire que choukoun. Wow, mon mine, koussoum souan nat. Mais pas de faire que choukoun ma. Boutouchine en l'outil. Boutouchine en l'outil. Vanje wa kunje wa monti wa bel tel wa ya funto kong aya yebo wa shilo van bwa ukove vanje wa kun fingi ya yak fun pabato njwa kun bongu wo wa kunje wa kun bumu wa kun la kashimbeni kashimpuni ah ndok ta tubi kutubi lbuni la famille partager la vidéo. Allô. Je suis déjà en plein live, je peux pas parler. Oui, je suis en live là, je peux pas parler. Et il y en a un monde. Hein? T'as dit quoi? Oui, tu m'entends ou pas? Mais j'ai dit que j'étais déjà en live, je peux pas te parler là. Ah, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. En attendant, partagez la vidéo. Alors, je voulais parler quand même de respect. Aujourd'hui, je souhaiterais répondre à Octavie Umba. Je souhaiterais répondre à notre sœur Octavie Umba. Partagez la vidéo, la famille.
Partager la vidéo. D'accord? On dit toujours, les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les vidéos restent. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est des choses que je suis capable d'assumer plus tard. Oui. Mais sauf que notre sœur Octavie a raté l'occasion de se taire. Elle a raté l'occasion de la fermer, de fermer sa gueule. Puisque c'est elle qui commence à insulter sa sœur, qui n'a rien fait. Tu n'as pas trouvé le... Appelez-moi Octavie Kumba. Appelez-moi Octavie Kumba. Elle pense avoir le monopole de l'insolence. Donc, elle est la princesse de l'insolence. Demandez-lui de venir trouver la reine de l'insolence. Je suis là, je l'attends. Si ça ne va pas, si ce que je veux lui dire ne lui va pas, qu'elle me fixe rendez-vous, on va se voir les yeux dans les yeux. Celle qui est plus forte casse la gueule à l'autre. Parce que ce qu'elle a fait, moi je suis très dure envers les miens. Je suis très très dure envers les miens. Si c'était d'autres personnes qui avaient parlé, j'en ai rien à foutre. Je vais répondre si je veux. Mais elle, Octavie, sachant que c'est une louango comme moi, qu'elle ait fait ça, jeter sa propre soeur en pâture, alors là, ça ne va pas le faire. Qu'elle vienne ici, je vais lui faire un petit peu de rappel. Si elle est impolie, donc la question qui va impolie, puis qu'elle va grade. D'accord? C'est pas normal. Je suis en colère depuis ce matin. Depuis hier. Depuis hier soir. J'ai pas bien dormi. Puisque là, j'ai même pas pu faire ma sieste. Et là. Maman Audrey, oui, vas-y doucement, oui. Il y a des choses qu'on fait, il y en a qu'on fait pas. Je suis désolée. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Octavie Umba, si tu es une vraie femme qui a tes règles comme moi, viens. Viens là, viens me reprendre. Tu peux même participer. Non, tu es allé trop loin. J'ai passé la journée. J'ai passé la journée avec Carla, laisse tomber, elle est comme ça. Non. Le respect est réciproque. D'accord? Tu donnes un conseil, regardez la vidéo à la fin. Si tu n'as rien à dire, tu la fermes. Tu fermes ta bouche et tout ça. Tu parles à ton enfant là? Hein? De vous à moi. Pourquoi vous mettez les manières pour passer ma pangue, pour passer ce respect? Vous allez regarder la plupart de mes lives, j'aime pas m'en prendre à une femme. Je n'aime pas. D'accord? Je n'aime pas. Moi, ma cible, ce sont les hommes. Ma cible, ce sont les hommes. Et ils le savent. Je ne m'en cache pas. D'accord? Mais quand on tombe sur une femme, il est où la vidéo en question même? Non, mais s'il vous plaît. Alors, pour ceux et celles, partagez la vidéo. Oui, bonjour ma princesse. Désolée, hein, je viens de rentrer. Je viens de rentrer. On a eu un retard en route et tout ça. Je viens de rentrer. Alors, nous savons tout ce qui se passe maintenant sur la toile. Et vous savez, tout le monde peut dire tout ce qu'on veut. Mais quand c'est un Ngolou d'Afrique, c'est multiplié par 10 000. Bonsoir, Tété Débicos. Bonsoir, Yabatchouboun. Hein? C'est pas sérieux. Alors, je vous explique. Attendez. Je vous explique. Dernièrement, j'ai eu affaire en live. Vous savez, on est tous des frères et sœurs congolais. On monte, on descend, c'est comme ça un cadavre doit mourir. D'accord? On est tous frères et sœurs. Tu ne veux pas les autres, tu dégages, tu vas sur le fleuve et tu coules. D'accord? C'est pas sérieux. Alors, nous sommes habitués avec quand il y a un problème. Laissez tomber, laissez tomber, laissez tomber. Moi, j'ai opté pour dire les choses en face. J'aime tous mes frères congolais, mes frères et sœurs congolais, j'aime tout le monde. D'accord? La preuve, je ne veux pas de séparation ou séparer le Congo ou quoi, quoi, quoi. Moi, je suis pour l'unité. Mais nous devons nous éduquer, nous rééduquer et respecter et nous respecter les uns les autres. C'est très important. D'accord? Alors, quand je vois une femme, alors Ngolou d'Afrique a eu à faire son live, elle a eu à sortir des mots, mais certains mots, les gens ont préféré sortir ces mots de leur contexte. Il faut voir dans quel état c'était.
Je vais vous rappeler une chose. Quand le président Guy Brice Parfait Kolela est décédé, ni la nébuleuse, ni Golou d'Afrique en parlait. Ils m'ont dit aussi à moi de ne pas parler. Ils disent, écoute Carla, tu dis rien. On va attendre jusqu'à ce qu'on le mettra, on va l'inhumer. À ce moment, on parlera. Moi, je n'ai pas pu supporter. Vous savez comment je suis là. J'ai dit, ah, moi, je suis TGV. Non, je dois parler. Bon, moi, j'avais fait un live. Alors, il n'y a pas longtemps, il y a eu une agression contre le frère Faye Monama au tribunal. Et Faye, c'est quand même le frère de Ngolou d'Afrique. Et elle l'a mal pris. Même moi qui vous parle, c'est parce que vous voyez très bien que j'ai changé de page à tel point que les gens ne savent pas encore que c'est moi. D'accord? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Ok? Alors, Ngolou d'Afrique... donc, la colère à Nanaye et la façon dont me Kunda Guy Brice Parfait Kolela, même si on n'était pas d'accord avec ses prises de position, ça reste notre frère congolais. Vous comprenez? Donc, peut-être que ni Yandji Namutzola, Katul Kwan, changer quoi la mambe boa là, parce que Yann Moutouana, mais Zab, façon qu'elle n'a qu'à une zokuna. Ok? Donc, il est clair que sous l'effet de la colère, il y a eu des choses qui ont été dites. Mais qui ne sont pas fausses. Mais le moment où le temps n'était pas approprié. Ça, on peut encore accepter. Mais me dire à moi que toutes les sœurs Larry, les frères, n'ont pas en sorti, non, en sorti certains mots ou certaines phrases de leur contexte pour créer une haine autour contre Golou d'Afrique. Quand je vois des femmes qui se permettent de dire faudrait qu'on la déshabille, qu'on la laisse nue. Des femmes congolaises qui disent faudrait qu'on la déshabille. Il y a une idiote qui s'appelle Clémence Mouatou. Regardez la violence de cette femme. Elle vit en concubinage. Elle a plus peut-être 50 ans et plus. Elle vit encore en concubinage. C'est-à-dire une désespérée périmée. Concubinage. Donc Makangu à son âge. Et regardez, elle demande aux gens de la déshabiller, de la bastonner. Hein? Oui, maman Tété, j'ai bien dit dans mon live, l'autre live, le précédent, que dans toutes les ethnies, il y a des brebis galeuses. Et pour ces brebis galeuses, c'est à cause de ces gens-là qu'on met tout le monde dans le même sac. Vous comprenez? Il est là le problème. C'est pas tout le monde, mais dans toutes, je l'ai bien dit dans mon live précédent, de la dernière fois. Mais ce que j'ai pas compris, c'est les mamans. C'est des mamans, la plupart ce sont des femmes périmées là. Excusez-moi, hein? Vous avez voulu que je vous parle comme ça, et bien je vous parle comme ça. Parce que je ne vous laisserai pas. Je ne vous laisserai pas mettre votre saleté sur une personne. Vous n'êtes même pas capable d'accepter votre erreur. Vous n'êtes même pas capable de vous auto... comment on dit ça? Vous auto-critiquer. Hein? Vous voyez, regardez toutes les sœurs. Quand on appelle les mamans, venez, on peut au moins faire quelque chose pour sortir le pays. Il n'y a personne. Mais pour des conneries, elles sont number one. Donc, on a sorti cette partie-là. Parfait Kolela, c'est normal. Il aurait été le président du Congo, il aurait été le président de tous les Congolais, il n'aurait pas été le président des Poulois. D'accord? Mettez-vous ça bien dans la tête, les Poulois, parce que ça commence à bien faire. Moi, je vous ai dit, hein, les paroles s'envolent, les écrits restent et les vidéos restent. Donc, moi, je ne vais pas changer ma veste. Comme fait cette idiote de Octavie Umba. Les Larry qui ont bonne mémoire, j'ai besoin de vous ici, là. Vidéo qui est là. Vous prenez les gens pour qui, là? Hein? Qu'est-ce que c'est, ça? Hein? Donc... Là, j'ai vu, il y a Bob Ebaka. J'ai vu, il y a Bob Ebaka qui est censé être impartial dans ce qu'il fait, ce qu'il a dit. Bob Ebaka, je t'ai écrit, hein, je t'ai écrit. Il est temps que Okelosal a déjà mes examens pour voir si t'es pas malade. Hein? Parce que le Congo a besoin de tous ses enfants. Mais c'est quoi votre histoire à vous? Le fils Yombi, si c'est un homme politique, c'est un homme public, on ne parle pas de son père, de son... C'est des gens publics, on a le droit d'en parler. Ils mangent avec l'argent du contribuable congolais. On a le droit d'en parler. Si vous n'êtes pas d'accord, vous demandez à vos familles d'aller s'asseoir. Ok? Parce qu'il y en a marre. Alors, la maman Zoé Mouboyo, hey! J'aimerais savoir c'est quoi cette haine. Et je vous jure, depuis 2019, Golou d'Afrique m'avait dit, t'inquiète, tu verras. Tu verras. Les gens ne m'aiment pas, je ne sais pas pourquoi.
Et c'est ce que je suis en train de voir avec mes yeux. Sur une phrase qui est sortie de son contexte, c'est normal. Le président Guy Brice Parfait-Kolela, regardez comment il a été inhumé. En tant que femme, en tant que Congolaise, elle a le droit de péter un plomb. Parce qu'elle n'avait rien dit tant qu'il ne serait pas inhumé. Et il y a aussi les autres, je ne sais pas quoi, les autres gus là qui ont été agressés à son frère Faye, notre frère Faye, au tribunal. Mais elle a pété un plomb. Et ce qu'elle a dit, ce n'est pas faux. Les amis, ce qu'elle a dit n'est pas faux. Donc à un moment donné, apprenons à admettre à nos erreurs. J'ai dit ça ici, là. Hein? Beaucoup de personnes n'osent pas le dire haut et fort. Mais Mingzaba Koyakeya vrai. Hein? Mingzaba Koyakeya vrai. Ce qui a été dit, même quand je vous dis, quand on parle des Congolaises, quand on parle des Congolais en mal, ceux qui excellent dans ça, ce sont les laris, ceux de la région du Poule. Mais je ne dis pas tout le monde. Les brebis galeuses de la région du Poule. D'accord? Nous, les villes, on n'a pas d'histoire, nous, on s'en fout. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de brebis galeuses de chez nous, comme moi. D'accord? Parce que quand on me dit, la femme vilaine n'est pas comme toi, ben oui, parce qu'ils prennent, ils prennent, ils prennent, à un moment donné, stop, quoi. À un moment donné, stop. Alors, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un troupeau qui a trouvé son berger. Et c'est une honte. C'est une honte. Il est temps qu'on se parle. Moi, je pense que l'héritage que nous avons reçu de nos aïeux, les Youlou et autres, parce qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, nous ne l'avons pas cherché. Nous subissons ce que, comment on l'appelle, nos arrière-grands-parents ont fait. D'accord? Mais nous devons couper ce cordon ombilical parce que ça ne nous arrange pas. Ça ne nous grandit pas. Ok? Alors, il y a Nouma Zalaï qui se prend maintenant pour le berger de Larry. Bounsana, qu'est-ce pas si, hein? Donc, quand même, était là, lui, il veut remplacer Guy Brice Parfait-Kolela. Et ce que je ne comprends pas, aujourd'hui, les Larry veulent toujours qu'on leur dise des conneries, qu'on leur brosse dans le sens du poil. Non, les amis. Moi, je préfère qu'on me dise la vérité. Dites-moi la vérité. Ça va me faire mal, mais je vais réfléchir après. D'accord? Quand on me dit la vérité, c'est les gens qui m'aiment. Je me dis, il m'aime, c'est pourquoi il m'a dit la vérité. Elle m'aime, c'est pourquoi elle m'a dit la vérité. Mais vous voulez qu'on vous brosse, qu'on vous raconte plein de conneries, dès que vous partez, dès que vous tournez le dos, allez, on commence à chier sur vous. Non, je ne veux pas de ça. On est une famille, on est les frères et sœurs. Nous sommes tous des Congolais. Moutou veke nazou les ping. Mais vous savez très bien, dans tout ce qui est mal, vous excellez dans ça. Vous excellez dans tout ce qui n'est pas bien. Vous le savez. Pour tomber sur une des idiotes qui disent « Les hommes, vos hommes nous préfèrent à vous parce que nous savons. » Mais écoutez les gars, les filles, je vous ai dit, hein, non. De toute façon, les hommes aussi, quand ils dorment avec vous, là, ils dorment un œil comme ça. Parce qu'ils savent qu'un coup fourré n'est pas loin. D'accord? C'est insultant de dire des choses comme ça. Nous, on n'a pas l'âme d'aventurier. Nous, on n'est pas des aventuriers. Les Vili, ce n'est pas des aventuriers. Ceux qui ont eu la chance de venir, c'était pour les études. Ok? Il faudrait qu'on vous l'explique combien de fois. Au point de dire, on s'occupe bien. Est-ce que ce n'était pas aussi la facilité? Parce que moi, je sais que c'était plutôt la facilité. Ah oui, parce que la femme Vili... Ah, mais tu es un ouais. Mais tu es un ouais. Tous les défauts de la terre, on nous donne. Parce que nous, on ne se laisse pas faire. Donc, c'est pourquoi ils vont chercher celles qui sont faciles là-bas. Et même les vôtres, on vous les laisse aussi. Donc, vous prenez nos maris à nous, ok, il n'y a pas de problème. On vous laisse aussi les vôtres. Parce que ceux-là qui mettent les dignités de femmes dehors, là, vous croyez que qu'est-ce qu'il en a besoin? Bref, ce qui est sûr, ce qui m'a choqué, quand j'ai entendu tout ce qui a été dit dans le truc de Ebaka, Bob Ebaka, il y a Zoé la Congolaise, il y a Sadio, je ne sais pas, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, entre Sadio, Nouma Zalaï, faudrait qu'ils viennent expliquer quand même qu'est-ce qu'ils ont contre Grâce, parce que je ne vous laisserai pas, les amis, je ne vous laisserai pas faire du mal à ma soeur, je ne vous laisserai pas la traiter, la critiquer, je vais rentrer dans vos culs. J'en ai rien à foutre. D'accord? Si vous avez un problème, dites le problème que vous avez avec elle. C'est tout. Au lieu de vous comporter comme des... C'est pas possible.
des fourberies, des méchancetés. Des... Mais c'est quoi votre problème? Hein? Aujourd'hui, je vois qui... Non, hier soir. Je vois qui? Je vois une vidéo de Octavie Umba. Je vois une vidéo de Octavie Umba. Alors, je vais vous mettre la vidéo qui parle de ça. Qui parle de... Alors, les choses ont été dites. Pour moi, je croyais que bon, ça a été dit. Maintenant, on passe à autre chose. Tout le monde sait ce qu'on pense de tout le monde. Voilà. Moi, je préfère dire les choses, ce que je pense. Moi, je le dis haut et fort. Et voilà. Nananga panza makita. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que Octavie, donc on s'est dit que ça allait se tasser tout ça. C'est Octavie qui vient mettre sa vidéo. Et le pasteur Numazala, il met, en fait, toute personne qui fait des lives contre Ngolou d'Afrique, grâce à l'UEMBA, lui, il met. C'est-à-dire que c'est une honte. Attendez. Non, mais oh. Grâce l'UEMBA. Je me fausse, hein, vraiment. Elle est là, hein? Octavie est là. Je me fausse, vrai ou fausse. Benkou est bien. Je me fausse, combat, Attendez, Benkoua, début. Benkoua, début, hein? Attendez, putain. Maman Grâce Louemba. Écoutez bien comment elle commence. Maman Grâce Louemba. Maman Grâce Louemba. Écoutez très bien. Attendez, Benkoua, maintenant la fin. Non, Kanga Inoua. Kanga Inoua. Quand on n'a rien à dire, faut que Kanga Inoua. D'accord? Alors, imaginez-vous. Je ne veux pas rentrer dans tout. Maman Grâce Louemba. Parce que... Ouais, c'est toi qui vas plutôt fermer ta putain de gueule de menteuse, de désespérée, là. Parce que moi, les mecs que j'insulte ici, j'irai jamais écarter mes jambes. Jamais de la vie. D'accord? Voilà. Quitte à me taper les godes toute ma vie, je serai encore mieux. Imbécile Nyama. Attends, je vais te récupérer. Alors, les amis. Donc, je tombe sur cette vidéo-là. Il n'y a pas longtemps, elle avait fait un truc TikTok. Et c'est Ngolou d'Afrique qui me dit, ah tiens, il y a notre soeur Octavie qui a fait tout ça, j'ai bien aimé tout ça. Elle a liké. Et tout, ok. Ha. Même pas quelque... Je vois la vidéo qu'elle fait contre sa propre soeur. Où elle demande à Kukanga Inoua, ok, s'il vous plaît. Cette Octavie, elle a une bouche. Elle qui a une qui est sauvage, elle qui est impolie, elle qui est qui. Mais vous bien que trouvez maîtresse, elle. Belle boki, elle a une quiz. Octavie, si vous avez quelqu'un qui a la main, quiz, la kacha live à Mounawa. Si vous avez quelqu'un qui a la main, quiz. Alors, aujourd'hui, je me dis que les Larry ont le syndrome de Stockholm. Mes frères et sœurs, vous avez le syndrome de Stockholm. Parce que c'est pas normal. Cette fille a ramassé, elle a incendié les Larry ici. Elle me soukoule ma Larry bien comme il faut. Trouvez-moi les Larry qui ont encore une bonne mémoire. Oh, moi, c'est quoi une fouille, quoi une bonne mémoire à côté de Kobouangé. Fidéo qui est là. On va, n'a pas. Écoutez. Ce matin, je vais parler d'un sujet, hein, rapidement, vite fait. Je voulais spécialement parler à nos frères Balari. Ah, nos frères Balari, hein. Ce que je ne comprends pas, c'est que on vous voit dans les YouTube. Il n'y a que vous, parce que écoutez je bien. Ne vois pas d'autres ethnies. Il n'y a que vous. Voilà. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Oh putain. Vous vous insultez entre vous. Vous vous insultez. C'est vous qui vous habillez bien, apparemment. C'est vous qui avez des belles voitures. C'est vous qui avez des belles maisons. C'est vous qui avez, voilà, tout ce qui est beau. Sans vous rendre compte qu'il y a des gens qui sont plus que vous. L'autre vidéo, la même qu'il y a. Il y a des gens qui ont des belles voitures. Il y a des gens qui ont des belles maisons, qui sont dans leur coin, qui mènent leur vie tranquillement. Sincèrement, je suis très déçue. Je suis très déçue parce que les Larry, les Bakongo,
C'est vous. C'est à vous que ça soit à faire. Parce que là, il est en train de tuer vos frères dans le poule. Il est en train d'assassiner vos frères et vos soeurs, vos mères, vos oncles, vos tantes. Et vous, en France, vous passez votre temps à vous insulter. Vous passez votre temps à montrer vos véhicules, vos vêtements, vos maisons. Mais vous êtes quel peuple, dites-moi, vous êtes quel peuple? Hein? Mais pourquoi vous n'êtes pas sérieux? Mais soyez sérieux un peu. Soyez sérieux un peu. Hein? Non, mais attendez, vous vous rendez compte, vous venez en France, mais vous n'êtes pas les seuls Africains en France. Vous n'êtes pas les seuls Africains en France. Pourquoi vous vous mettez en spectacle? Et en plus, au lieu que ça s'arrête dans vos maisons, au lieu que ça s'arrête dans vos quartiers, dans vos fêtes, mais vous les publiez sur YouTube. Vous ne vous rendez pas compte que YouTube est regardé dans le monde entier. YouTube est regardé dans le monde entier. Et le monde entier sait que les Congolais se comportent comme ça. Mais arrêtez de gaspiller le nom des Congolais. Arrêtez de gaspiller la personnalité des Congolais. Hein? Je vais comment mettre cette vidéo sur ma page pour celles qui veulent regarder jusqu'au bout. Vous vivez vos vies dans cette vie. Mais c'est pas possible. Hein? Soyez sérieux. On est en train d'assassiner vos frères et sœurs. On est en train de les pourchasser. Et vous, en France, vous passez votre temps à vous insulter. Vous passez votre temps à montrer les gens les vêtements, les chaussures, les voitures. Mais qu'est-ce que vous avez dans vos têtes? Qu'est-ce que vous avez dans vos têtes? Mais vous décevez le monde, vous décevez les Congolais, vous décevez tout le monde. C'est pas possible. Jusqu'à quand ça va continuer? Jusqu'à quand? Hein? Jusqu'à quand? Que vous ayez des moyens, que vous ayez des vêtements, que vous ayez des chaussures, que vous ayez tout ce que vous voulez. Mais ça vous regarde. Ça vous regarde. Il y a des gens qui gagnent plus que ça, il y a des gens qui ont plus que ça, mais qui se taisent, qui sont dans leur coin en train de vivre leur vie. Mais vous, vous passez votre temps à être au spectacle. Mais vous déshonorez les Congolais, vous déshonorez les Congolais. C'est pas possible. Oh, ça, c'est pas Ngolo d'Afrique, il a dit, hein. C'était une culture d'habits. Putain. Avec la sable, vous pouvez faire connaître les Congolais, mais vous utilisez la sable pour faire du n'importe quoi. Vous utilisez la sable pour s'insulter. Vous utilisez la sable pour qu'on se moque des Congolais dans le monde entier. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Si vous n'arrivez plus à vendre une image réelle des Congolais, mais arrêtez. Arrêtez. C'est pas possible. Arrêtez. On regarde que vous insultez à longueur de journée. On regarde que vous montrez des vêtements, vous montrez. Mais c'est pas possible. Il y a des gens plus riches que vous. Il y a des gens qui ont des moyens. Il y a des gens dont leur compte est rempli d'argent. Mais qui sont dans leur coin, qui sont humbles. Regardez le West Africain, comment ils sont humbles. Mais il n'y a pas d'humilité. Il n'y a pas d'humilité. Nous sommes remplis d'orgueil. Remplis d'orgueil. Il n'y a que des orgueilleux qui peuvent se comporter comme ça, comme vous vous comportez. Mais si tu as un problème avec ton frère, ta soeur, va la voir. Va le voir. Ah. Va chez lui à la maison, parlez-en. Hein? Donneuse de leçons de mes fesses. Sincèrement, vous partez où là? Vous partez où? Vous partez où? Hein? Non, mais les Congolais, vous devez changer. Vous devez changer cette mentalité. Mais pourquoi? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est comme ça? Même nous qui sommes à l'étranger, même nous qui sommes ici, on devait montrer de l'exemple. Mais on ne montre pas d'exemple. On ne montre pas d'exemple. Comment voulez-vous que ce pays puisse en sortir un jour? Si nous qui sommes à l'étranger, nous qui sommes censés être des gens raisonnables, nous qui sommes censés apporter ce que nous avons appris de l'étranger, nous qui sommes censés conseiller ceux qui sont là-bas, que nous soyons des pires et des pires. Non mais c'est pas possible. Quand je suis ces vidéos-là, quand je regarde ces caméramans-là, qui sont contents de filmer les gens en train de s'insulter, mais si c'est impensable, c'est impensable. Mais est-ce que vous vous rendez compte? La télé, la vidéo, les photos, ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses.
En tout cas, je vais mettre toute la vidéo sur ma page. Je vais mettre toute la vidéo sur ma page. J'arrive, qu'on m'appelle. Christian, j'arrive pas à télécharger la vidéo, ce qu'elle a dit sur Paco. Parfait qu'on est là, quand on a appris son décès. Alors, les amis, aujourd'hui, comme les Larry ont la mémoire courte, les Larry ont besoin qu'on leur mange dans la main. Ils veulent tous qu'on leur mange dans la main. Ont oublié tout ce que cette personne a dit. Moi, j'étais contre sa façon de faire quand Paco est décédé. Parce qu'on dit, on ne peut pas... comment on dit ça en français? Kousmousemba, vous, Bikouvé. Hein? Kousemba. Vumbi kaba semba kayoko. Kaba semba. En Larry, c'est comme ça qu'on dit. Hein? En français, on dit quoi? Moutse, elle me koufoua, elle me koufoua. Donc, c'est pas la peine même de tirer en long et en large. Et elle, il n'était pas encore... Ah, Bikousef Koya, il va quoi? Il n'était pas... Paco n'était pas encore froid. Elle a commencé à sortir son venin sur une personne qui est décédée. On nous a pas appris à respecter les morts. Et elle s'est fait incendier. J'ai dit dans mon live dernièrement qu'il y avait une sœur, il y avait un frère qui avait tellement incendié une sœur. Parce que le 23 mars 2021, les amis, j'avais gardé cette date parce que ça m'avait choqué les insultes de ce frère. Ce frère, c'est un certain MM. Je le lui ai dit hier. Le frère, j'ai mis sur un commentaire. C'est le frère Michila Malonga. Ce frère est rentré jusqu'à dans le cul de Octavie. La sœur qu'on a incendiée, c'était Octavie. Et moi, j'ai gardé une dent pourrie contre ce frère-là. J'étais toujours aux aguets. Je me disais, le jour où il me provoque celui-là, je vais rentrer dans sa bite pour atterrir dans ses couilles. Pour une idiote comme Octavie. Il y a des moments, elle dit des choses qui n'ont pas de sens. Je ne dis rien. Je me dis, bon, en plus, c'est la nièce d'un frère, Ludovic. Bienvenue. Donc, on laisse tomber, on laisse. Mais là, elle pouvait appeler Ludovic. Ah, Ludovic, est-ce que tu entends? Est-ce que tu as entendu ce que Ngolou d'Afrique a dit et tout ça? J'aimerais parler avec elle. D'accord? Elle aurait pu dire ça. Ou alors, elle pouvait contacter Ngolou d'Afrique inbox. Laisser un message, la grande, j'ai pas aimé. Ou voilà, manifester son ressenti. Ça, c'est pas un problème. Mais que de la jeter en pâture. Pour qu'à la fin, si tu n'as rien à dire, tu fermes. Tu la fermes, tu fermes. Comme si tu parlais à ton enfant. Louzibouzi, toi, Piao. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi elle le fait. Parce que, c'est vous qui insultez les mêmes hommes. Jamais. Jamais. Vous, les femmes, là, pour vous, Facebook. Yame Kouma, ka site de rencontre à Beno. Yame Kouma, site à Beno, la prostitution. Naka, tcha diaspora, kamosi. Benke, là, le babaka, le sol, le babaka, le tatou. Benke, la sonive. Octavie, je m'adresse à toi. C'est un vrai quinte, quiz. C'est un vrai quinte. Alors aujourd'hui, Octavie se fait cirer le trognon, le croupion par un Larry. Et comme par hasard, madame se souvient maintenant que les Larry, c'est des bonnes personnes. S'il vous plaît, on va où? On se moque de qui, là? De qui se moque-t-on, là? Hein? Et les Larry sont là, mais allez voir, ils ont oublié comment cette femme a parlé de, à peine, comment on appelle, parfait qu'on est là, à peine qu'il était à la morgue. Tout ce qu'elle a pu dire sur un cadavre. Mais nous, vous croyez qu'on n'avait rien à dire? C'était une souffrance. Elle en avait rien à foutre qu'il crève, parfait qu'on est là. Elle en avait rien à foutre. Et comme par hasard, c'est aller voir sur la page de Noumazalaï, tous les commentaires des gens. Contre Ngolou d'Afrique. Allez voir. Fouba Boulien dit, on doit la faire taire, on doit la déshabiller, la mettre à nu. Là, il y a d'autres... Trop de méchanceté. Des messages de menaces, de... C'est grave, les amis. Hein? Mais elle est congolaise, Ngolou d'Afrique. Hein? Aujourd'hui, pourquoi on n'a pas... C'est ce que j'ai dit au début avant-hier. On ne peut pas parler d'un... Il y a une ethnie au Congo. Si tu en parles, tu auras droit à des représailles. C'est comme si on parlait des gens de... Hein, les djihadistes, là. La religion... hein? Yiki Markin. Donc, n'a pas tu ne me fing, Beno. N'a pas battu me zonza. Donc, Boubia, il m'a mis pas mouka. Oh, vé. Hein? Elle veut elle veut redorer son image devant son gars. Hein?
Comment peut-on être aussi mauvaise, hypocrite à ce point? Je trouve ça tellement sale. Octavie, je te trouve sale, ma chérie. Je te trouve sale. D'accord? Je te trouve sale. Dis-nous que mes salines m'ont résolvé. M'bèbe moi, tout le monde. Et tu veux que je te respecte, sale conne? Tu veux que je te respecte, mais je te respecte pas. Hein? D'accord? Maintenant, il me reste un salangue, singe de l'veya, mais tu n'as pas de couta, il n'y a pas de boulpang. Il n'y a pas de boulpang. Ok? Parce que les idiotes de ton espèce là, j'en fais qu'une bouchée. Mais quoi? J'aime pas ce comportement de chien là. Quand tu dis quelque chose, tu t'en tiens à ce que tu dis. Ok? Tu crois que les gens ont oublié ce que tu as dit? Tu crois que les gens ont oublié le truc de Paco là? Je sais même pas où j'ai mis ça. Téléphone, elle va, il y a tout rechargé. Non, mais là où? Hein? Tu vas manquer de respect en Golou d'Afrique? Des Kanguinois. Tu veux que je ne m'en Kanguinois? Maman, ma banne. Quand tu es là, Paco là? T'es normal, tout ça parce que c'est bon, dit quoi là? Espèce de désespéré périmé, va. Hein? Vous êtes tellement prête à tout juste pour avoir les putains de mariages? Si ça se trouve, même Ningé, mon très bac, même bon, la quoi, une peste bacalé à quoi? Hein? Nous, si nous avons tal, quand même, quoi? C'est pas possible. On ne donne pas du tort à un mort. On s'en fout. Au moins j'ai dit. Hein? C'est pas possible. C'est toujours vous, c'est toujours vous. Et pourtant, elle l'a bien dit. C'est ce que Golou d'Afrique a dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que nous pensons. Tout le monde le sait. Arrêtons d'être hypocrites. Les Poulois sont nos frères et sœurs. On doit leur dire ce qu'on pense d'eux. C'est un héritage empoisonné qu'on nous a laissé. Et c'est à nous de couper ce putain de cordon pour essayer de vivre ensemble et avancer. Dans le respect de chacun, de tout le monde. Mais non, 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 il y a des gens qui veulent toujours retourner leur chemise et tout ça. Mais vous croyez que quoi? Moi, je n'ai pas décidé de la fermer. Hein. Ah, moi, je vais parler. Il n'y a pas longtemps, l'année dernière ou je ne sais plus quand, il y a Filature qui avait dit quelque chose contre les Vili. Est-ce que vous avez vu quelqu'un se lever? Est-ce que vous avez vu quelqu'un se lever? Vous croyez qu'on est des animaux? Hein? Mais s'il vous plaît. On n'a jamais vu des gens comme les Vili. Mais quand on voit ceux qui sont à pointe noire là-bas, je pense même que les Laris sont plus que les Vili sur place. Hein? Ici, le quartier, les Patras, les Pacas, les autres. Va dans ces quartiers-là, va voir c'est qui la banane, la banane Kekuna. Va regarder, au fond, tchétché. Quand la femme de Moubenda, ou qui est allée, la Michael Moutouari, là. Quand elle est allée, est-ce que c'est en vous qu'elle est allée faire son truc? Pourquoi pensez-vous qu'elle a été le faire au fond tchétché? Parce qu'elle sait que c'est là-bas où il y avait la plupart de ses compatriotes là-bas. Ses compatriotes ou sa famille, j'en sais rien. Hein? Bête Pessané nous respect. Bête Pessané nous respect. Il n'a pas qu'à ma vine. Hein? Quand tu m'as dit que l'alba bakal zol tatu il y a la kacha diaspora. Il y a quelqu'un qui bordel, il y a quelqu'un qui n'oublie sa salité, il y a qui m'boit. Il y a quelqu'un qui m'a dit que l'alba bakal m'a dit la kacha diaspora. Van Nayang. D'accord? Si je vais dire, quelle sauce maintenant chinois à côté de Bikot Makele? Je vais dire, je zone la carte. Hein? Donc, basse la bague Zabana, allez, bah y'a ne va se salpangimbi, y'a ne va se salpangimbi. Évitez ça, tout ça là. Évitez ça. Et ça, ce sont les femmes comme les Octavie Oumba là qui font des bêtises comme ça. Hein? Et tu veux qu'on te respecte. Et c'est toi qui te permets de venir donner de leçons aux gens. Hein? Je suis belle, je suis bien là, je suis collant. Hein? Bah, on joue le soumou noir, je suis collant, je suis collant. Oh, puis je suis belle, je suis fou, je suis fou. Comme ça là. Hein? Quand même, c'est pas sérieux? C'est pas sérieux? Quelqu'un a décidé que ça n'est pas sérieux. Mais il y a des raisons de kangi noir. Elle fait 9 kangi noir. Non, il y a des raisons de moi. Oh, il y a colère pour qu'elle ait Octavie. Je vais faire un pari. Parce que quand je vais même. Oh. Comment peut-on vivre avec des gens comme ça? Vous dites que I aujourd'hui, demain vous dites T. Non, je n'avais pas dit I, c'était le L. Putain, mais arrêtez de vous foutre des gens quand même. Hein? C'est pas possible. Non, mais oh. Donc tout ça, la coupe de l'Ikoué là et tout ça.
trouve un lari qui commence à lui cirer un peu la rondelle là et tout. Et ça y est, elle commence à se foutre des gens, juste à insulter les gens. Mais on va où là? Elle se prend pour qui? Une désespérée comme ça, elle se prend pour qui? Hein? Oh! Les autres, même dans la bêtise, ils se soutiennent. Il y a Kaknina Beto. Kaknina Beto. Moi, j'ai mes soeurs qui sont Larry. J'ai des hommes qui me draguent aussi qui sont Larry. J'ai des gens avec qui je me trompe qui sont Larry. Mais on en discute, je leur dis ce que je pense. Ils n'acceptent pas, mais moi, je l'ai là. Aujourd'hui, j'ai dit à mon fils, c'est hors de question, c'est niet. Donc, j'ai pris la responsabilité de rendre mon fils malheureux s'il est déjà amoureux de la jeune fille Larry, là. Hein? Donc, pour vous dire que non, parce que je ne veux pas avoir à tirer en long et tout ça, battre quand ça mangou comme ça. Hein? Oh. Et au lieu de bakwal moutouka, non, nana, wakoun toa l'boussoubouka lilo l'intandou, wakoun chanatka, hé, qui est revenu à ma mère, zonge kangi nouangé. N'y pili baka zonze lwa battu. Tu parles comme si tu parlais à ton enfant. Hein? Oh, famille, c'est la langue. Si quelqu'un a la famille, c'est la famille. Belle personne, moi, la belle conseil, hein? Belle personne, moi, la belle conseil. Nambi, quand vous y êtes, quand vous êtes, quand vous êtes, quand vous êtes, vous êtes. C'est pas normal, ça. Hein? C'est pas normal, c'est pas sérieux. Elle a incendié les Larry ici, là. Elle a incendié. Aujourd'hui, comme par hasard, ils n'ont plus, les Larry n'ont plus de mémoire. C'est un drame de Stockholm. Bah, le smekoumneya awa. Bah, le coup, Alzheimer, bah, Larry. Ben, qu'elle a sonivé. Vous vous rabaissez à ce niveau juste parce que vous avez besoin qu'on vous dise que vous avez raison. Mais vous n'avez pas raison. Vous devez vous auto-critiquer maintenant. Vous devez vous faire... Il faut bien le retrospection. Et bien aussi. Hein? Octavie l'a dit. Elle ne l'a pas dit hier. Elle l'a dit, je ne sais pas si c'était l'année dernière ou... D'accord? C'est ce que tout le monde pense, mais beaucoup ne le disent pas. Beaucoup ne le disent pas. Ok? Donc, ben, tu sais respecter, non? Essayons d'être honnêtes. D'accord? Ce qui avait été. Ce qui a fait, même moi, ça m'avait choqué. Moi, ça m'avait choqué de voir le comportement. Ah, les amis, j'arrive pas encore avec ça. Le comportement de je ne sais pas comment il s'appelle, ce frère congolais-là. Je ne sais pas. Quand l'avocat des enfants Kolela était en train de lui parler. Mais même pas. C'est-à-dire que Noumazala avait plus de respect. Plus de respect à ses yeux que son propre frère qui était face à lui. Non, les amis. Non. Non. Regardez comment Noumazala a manqué de respect à cet avocat-là. Hein? Ah, V. Pour que cette idiote d'Octavie, qu'elle vienne rajouter encore de l'huile sur le feu. Mais on va où là? Hein? Elle vient mettre, jeter l'autre en pâture alors qu'elle est passée par là. C'est elle qui avait commencé. C'est elle qui avait commencé à insulter les Larry. Parfait qu'on est là à peine décédé. Même pas qu'il était froid. Elle a insulté, elle a raconté plein de conneries. Et comme par hasard, elle oublie. Donc elle, quand elle parle, on passe l'éponge. Et là... Non mais oh, on va où? Hein? Même Bakalango aussi, papa. Même Bakalango aussi. Hein? Elle fait ça juste pour te... On se dit la vérité. C'est tout. On se dit la vérité. D'accord? Parce que c'est inacceptable. C'est inconcevable. Pour moi, je refuse de vendre un frère, un de mes frères. Je refuse. Je refuse. D'accord? Je refuse ça. Donc, quand je tombe sur des idiotes comme celle-là, une grande femme comme ça, elle n'a pas, elle avait dit qu'elle était dans la quarantaine, entre 44 et 45 ans. C'est plus un bébé. C'est plus un bébé. Moi, je ne vais pas la respecter. Hein? Dès lors qu'elle ne respecte pas les autres, je ne vais pas la respecter. Hein? Elle peut avoir 50 ans, j'en ai rien à foutre. Hein? Ok? C'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Tu as fait la même chose. Tu as fait pire même. Parce que ça n'avait même, ça avait rien de grave. C'est les gens qui font leurs trucs, qui montrent leurs habits, qui font leurs... Tout le monde sait que les Larry, ils sont dans la sépologie. Tout le monde le sait. D'accord? Et pourquoi toi? Parce qu'un Larry t'avait largué.
Eh oui, parce qu'un lari t'avait largué, donc ma colère n'est aussi largué, l'animal qui se bat ici, ah oui, tout. Et comme par hasard, tu sors de je ne sais où, bah, il y a salam à combat, n'a pas de lari, il y a un bac nan, bah, chinois, il y a un bac nan, bah, nan. Mais c'est grave. Golou d'Afrique, en tant que Congolaise, était choquée du comportement de nos frères lari. Oui, la traîtrise, je le dis. La traîtrise. Aujourd'hui, un vili qui va faire un coup de pute à l'autre vili va me trouver sur son chemin. Oui. Oui. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Que Faye a failli se faire agresser par ses propres frères. Hein? Sous la tutelle, comment on dit ça? Sous le. Ah, bonsoir, vous avez encore? Pas la responsabilité. C'est-à-dire. Ah, bonsoir, ah, le poutou me kim, comment pas gagner? Le papa, le papa nous mazalaï. Hein? Demande, ben quoi. Mais vous voyez pas qu'il y a question de ben balari. Pas zozvé? Pas zozvé? C'est honteux ce comportement. Nous devons. Moi, je ne vous demande pas de nous aimer. Je vous aime tous autant que vous êtes. Tu ne veux pas de moi, tu dégages, tu vas couler dans le fleuve. C'est aussi simple que ça. D'accord? Aujourd'hui, on se fait insulter parce qu'on n'a pas intégré l'USK. Tout ça parce qu'on. Sous le haut patronage, et dit à toi là. À toi, si tu veux montrer le français, c'est toi qui connais. D'accord? D'accord? C'est une honte, les amis. C'est une honte. C'est une honte. Quand je vois que. Même moi là, si je fais un live, hé, hey, Golou d'Afrique, je t'ai fait un live, mais je ne l'ai pas partagé. Moi aussi, je ne savais pas que Golou d'Afrique, parler de Golou d'Afrique, parler de Grace Luemba, ça donne des vues et des partages. Moi aussi, je vais te clasher. Je vais te clasher, Golou d'Afrique, je vais te clasher pour avoir les vues, les partages et aussi l'argent. Herman Yoka, sous le regard impuissant, non, sous le regard puissant de leur patriarche, Israël Noumazalaï, alias Ahmed Sow. C'est pas sérieux. Quand je vois ces gens qui suivent le pasteur Noumazalaï là, je me dis, c'est chaud, hein. Je me dis, c'est chaud quand même. Moun Moi, c'est une seule fois, hein. Une fois que je tourne mes talons à. Tu l'as commencé à ramer. D'accord? Il a pleuré. J'ai parlé avec maman Anne, qui me dit, oui, il est guéri, il s'est fait soigner. Oh, il était au stade terminal. Tu me dis, maman, ah, vous êtes bizarre. Maman Anne à Silbar, j'ai dit, elle me dit, non, 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 ma fille, il était malade, oui, c'est vrai, mais il s'est fait soigner. Mais il était au stade terminal. C'est-à-dire le stade terminal. Donc Jésus a fait, moi j'ai mon frère à moi qui est malade. Pasteur Noumazala, demande à ton Jésus d'aller lui rendre visite, s'il te plaît. D'accord? Arrêtez de prendre les gens pour du jambon. Arrêtez. Le Noumazala n'en a rien à foutre de vos gueules. Ok? N'en a rien. J'ai vu cette haine que vous avez contre Golou d'Afrique, c'est un truc de malade. C'est une honte. Nous-mêmes, nous ne reconnaissons pas ce que les autres ont parlé d'elle. La grande Amazone, Golou d'Afrique, la grande Amazone. Hey! Golou d'Afrique, oui, je vais te clasher, ma soeur. Je vais te clasher, j'ai besoin de vues. J'ai besoin de succès pour avoir un peu de sous. Ah oui, je vais te clasher, attends voir. Mais attends, c'est une honte. C'est une honte. Hein? Vous êtes toujours là à alimenter pour les futilités, elles sont là. Mais je vous l'ai dit la dernière fois. Je ne peux pas oublier les qualités des Larry. Et je vais vous dire une chose. Vous savez que je suis plutôt attirée au Congo-Brazzaville. Mis à part les Vili, je suis attirée par les Larry, les hommes Larry et les hommes Bakamba. Ça, c'est un scoop, personne ne le savait. Oui, je suis attirée par les Larry, les Bakamba et les Vili obligés. Ok? Mais quand je vois ça là, quand je vois ça là, vous croyez que ça donne envie? Hein? Il n'y a que Sony.
n'y a que Sony. D'accord? Donc, Octavie, elle fait son live sur TikTok, en plus, pour avoir les vues, les... Mais elle se prend pour qui? Octavie, ça fait je ne sais pas combien de temps je suis là. Tu attends quoi? Faut venir. Faut venir. Si Amessim veut inviter Ngemoubetangabetkoutan, qu'on parle les yeux dans les yeux de femme à femme. Qu'on parle les yeux dans les yeux de femme à femme. Parce que ce que tu as fait là, ce que tu as fait, on n'a pas besoin de traître dans le Luango. On n'en a pas besoin. Ok? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Qu'on va la moucha modèle. Hein? Facile que Fungoli ne fasse rien que Fungoli m'attaque. Facile que Fungoli ne fasse rien que Fungoli m'attaque. Bah personne n'a éducation v. Hein? Quand tu ouvres là-haut, tu fermes en bas. Quand tu ouvres là, tu fermes là-bas. Ok? Il y en a qui sont fermés ici parce qu'ils ouvrent en permanence là-bas en bas. D'accord? Je ne suis pas stupide. Je ne suis pas stupide. Marc Mouga Fungoli a marqué. Je sais qu'on m'attend au tournoi. Mais bon, quand même, au mariage, au façon, il y a eu, au pilier, il y a les cas obligés même de. Mais il n'y a que Sony quand même. Il n'y a que Sony. Hein? Dans la famille, il y a Octavie, même la Crétalanière. Hein? Mais le PC, elle conseille, ce n'est pas normal. Hein? Sa traîtrise, là, qu'elle le fasse loin. Il y a un salaire au tama. Ok? Ce n'est pas sérieux. Ce qu'elle a fait là, ce n'est pas sérieux. Elle n'a même pas respecté le cadavre de Guy Brice Parfait Collé là. Elle n'a même pas respecté son cadavre. Bah, tu n'as pas fait ça, vous dites tout. Bon, elle me couvre. Ok. Même si. Alors, on ne peut pas se réjouir de la mort d'une personne. Moi, ça m'a fait chier. Hey! Si ma saison vraie, ma mère n'a pas de batterie, elle m'a dit ça. C'est vraiment normal. Moi, ça m'a fait chier. Voilà. Ça m'a fait chier. Ah, je vais. La batterie est en train de boire. Ah. Tu veux, ça va? Tu as l'air de même que nous, même dans Nyongwan. Hein? Je suis là, 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 je Mais il y a une perruque qui me cuise la bête, elle a fond de terre. Na a carolite. Il y a une carolite qui me cuise la bête. Il y a une figure nette. C'est pas possible, c'est pas sérieux. Je n'aime pas ce comportement de chien. Hein? C'est pas bien. Il n'y a que c'est bien. Hein? Le comportement d'Octavie n'est pas bien. Hein? C'est une menteuse. C'est une hypocrite. Ok? Voilà. Elle a dit les mêmes choses. Elle a dit les mêmes choses. Elle a même été pire. Surtout concernant la mort de Parfait Kolela. Golou d'Afrique n'a rien dit. Non, Golou d'Afrique n'a rien dit concernant la mort de Parfait Kolela. Non. Le respect a fait qu'il fallait attendre qu'il soit inhumé avant de parler. Moi, je n'ai pas supporté. J'ai dit qu'il fallait le dire. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est eux qui l'ont poussé dans la gueule du loup. Je l'ai dit. D'accord? Voilà. À la dernière minute, comme d'habitude, ils veulent toujours avoir une avance, une heure d'avance sur les autres. Allez, même Félicien, même Rouen. Vous croyez que tu vas manger là-bas et pas après tu te retournes comme ça là? Or, t'as vu quoi le goût de la sasuku na batangi? Hein? C'est pas sérieux. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas se retourner du jour au lendemain. Facile de mettre katouka la houpe là. Facile. Hein? Elle a bien dit. Ben balari. Tout ce que tout le monde, tout, la plupart des gens au Congo-Brazzaville, les Lari, écoutez-moi. Écoutez-moi, je vous le dis, c'est la vérité. Je vais vous donner un exemple. Hein. On me dit toujours, je parle de ma famille, oui. Ma mère, elle a 5 sœurs. Et parfois, quand elles se retrouvent entre elles, elles parlent des autres sœurs. Koutonga, ma sœur, Akak. Et moi, je les regarde. Et leur sœur, Ngekouiza, ma mère, c'est celle qui est là, qui est et tout ça. Je dis, ah non. Je dis, maman, elle va dans la tongue. Moi, je dis les choses. Je n'ai rien à foutre. Ben, bon, mais qu'on a un coup à côté de moi, il y a un coup à côté de moi. Hein?
Donc ça c'est même mes propres mamans, parce que maman aussi, papa aussi. Mais parce que ton papa ne m'a fond. Ah oui. Mais elle sait que na baba va na me tongue awa. Et elles savent que je ne suis pas folle. Si je le dis, c'est la vérité. D'accord? Mais elle est là. Donc je veux m'adresser à vous les Larry. Écoutez-moi. Je ne suis pas contre vous. Je vous aime, vous êtes mes frères. D'accord? Mais vous devez changer beaucoup de choses dans votre façon de faire les choses. Avec les autres. Déjà entre vous-même. Et avec les autres. Parce que nous sommes obligés. Nous sommes tous dans le même bateau. Le bateau du Congo. Là. Le Congo, c'est notre bateau. D'accord? Donc, coupons ces liens-là avec cet héritage laissé par nos aïeux. Les Yulu, tous leurs histoires-là. On doit couper les liens avec ça. Bet tungé nous. Bet vanen ensemble pour que bet tungé bois là. Sinon, on ne va pas y arriver. Sinon, on ne va pas y arriver. Donc, tout ce qui se dit là, moi, j'ai toujours dit que les Larry. Ou Octavie l'a dit, même si elle veut retourner sa chemise aujourd'hui parce qu'elle se fait cirer la rondelle par un Larry, ok? Mais c'est la même chose qu'Ngolou d'Afrique a dit. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça prend... Il y a quelqu'un qui en pleure, Ina. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Autant de haine envers une personne. Ça, je n'arrive pas à comprendre. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Au point de demander aux gens, ben, Noumazalaï a dit, ne la lâchez pas. Donc, c'est lui qui donne des ordres. Vous voyez, incitation à la haine, incitation à la violence. Hein, papa? C'est pas normal. C'est pas normal. Ma maman a une question de catholique, elle a une question qui peine. Qui peine. Ben ke bik mout qui peine. Ah! Hein? Il faut la bastonner. Il faut la corriger. C'est honteux. Vous devriez avoir honte de vous. Vous avez. C'est dans des petites choses comme ça. À chaque fois, on dit, ah, les Larry, il faut les gens m'ont conseillé. Carla laisse tomber. Carla laisse. Ils sont comme ça. Non. Qui aime bien châtie bien. Ils se sont mes frères et sœurs. Je leur dis ce qui ne va pas. Un point, un trait. L'autre filature, qu'est-ce qu'il avait dit? Oui, les Vili vivent dans la saleté. Les Vili vivent dans les taudis. Les Vili et Nani, ils font rien pour la ville de Pointe-Noire. Ok, d'accord. Est-ce qu'il n'y a que des Vili? Il y a plus de Larry à Pointe-Noire. Est-ce que vous croyez qu'il y a autant de Vili chez vous dans le pool? Hein? Quand tu viens chez quelqu'un, quand tu es invité chez quelqu'un, tu dois laisser que la personne, c'est la personne. Tu ne peux même pas aider à nettoyer. Hein? Si tu ne peux même inviter, tu ne peux pas aider à nettoyer. Tu ne peux pas aider à nettoyer. Hein? Tu ne peux pas aider à nettoyer. Non, respectons-nous. Respectons-nous. Ok? Mais de côté, tu as respect. Mais tu as respect. Arrêtez aussi votre traîtrise là. Vous allez faire quelque chose à la dernière minute. Allez, on change les choses. Hein? Mais vous croyez que quoi? Ce qui s'est passé avec Parfait Kolela, faudrait que ça nous serve de leçon. Il faudrait que cela nous serve de leçon. Ok? Voilà. Il faudrait que cela nous... Les autres sont en prison, hein? Les autres sont en prison. Lui, il est où aujourd'hui? Là, le 20 mars, il allait fêter ses 3 ans. Comment appelle? C'est une année sans être enterré. Il y a quelqu'un passé, il y a quelqu'un qui a dit. Hein? Alors, au lieu qu'il soit rapatrié au pays, non, on l'enterre ici dans le froid. Pourquoi ça fait plaisir tout ça? Hein? Pour tomber sur des idiotes comme ça, qu'elle vient insulter les gens? Non, mais oh, et puis quoi encore? Non, je suis pas d'accord, je suis désolée. Je suis désolée. Je sais que tu me regardes en plus, Octavie. Si quelqu'un vrai qu'un truc, parce que je suis un peu le monde. Invitez vous mettre couteau à Paris, mettre causer de femme à femme. Ce que tu as fait là, nous solveillons à ta fiotte. Si y a mes simves, y'a qu'un angol que boule pang. Que me quoi? Y'a qu'un angol que boule pang. Mouke na yinou, y'a qu'un na yinou. Mais y'a qu'un si mouke zoma, comme que tout sous l'air ma coffre, y'a qu'un comprendre. Idiote. Zoba. Hein? Y'a qu'un fing wa baka, y'a qu'un ni baka, y'a qu'un fungul koul. Y'a qu'un fing wa ni baka, y'a qu'un fungul ma koul. Elle est où la logique dans tout ça? Hein? La carte diaspora aussi. Même comme là la bakal paquet. Même la sonne vient parce que la bakal ka aussi. Parce que tout le monde se connaît. Regardez-moi des gens comme ça là.
Et c'est elle qui vient faire la leçon. C'est elle qui vient faire la leçon. Alors qu'elle a incendié les laris. Elle n'a même pas attendu que parfait que les laris soient froids dans son... À peine mis au frais, il n'était même pas encore froid. Elle s'est pas gênée. Et c'est celle-là. Ma famille, Ben Kwantal, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Ben Kwantal. D'accord? Ben Kwantal. En tout cas, je suis dure. Je suis dure envers les miens. Cette Octavie est censée être ma sœur. On est tous des Luango, elle est ma sœur. Donc chez nous, la traîtrise, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Déjà, c'est entre nous, là. Ok? Mais non, parce que c'est là que ça va être. Vous allez remarquer, hein. Ma fille qui est là, on connaît pas que c'est là ma vidéo. Oui, dès que tu commences à faire des vidéos, c'est tous les hommes qui commencent à te draguer. C'est tous les hommes qui commencent à te draguer. Maintenant, tu vas tomber sur des désespérés. Conneries. Ils veulent juste se les vider sur toi parce que tu es bête et stupide. C'est aussi simple que ça. Moi, Carla, ils ont compris qu'ils n'auront pas de chance. No way. Il n'y a pas de chance. Voilà. J'ouvre ici. En bas, c'est fermé. Point barre. Ok? Voilà. Tamou baba cha modèle. Sonic élevé. Hein? Sonic élevé. Benge basigla babakal na kacha diaspora. Et vous vous posez des questions. Pourquoi il y a des conflits? Mes frères et sœurs. C'est à cause de ces sœurs stupides. À cause de ces frères, de ces sœurs stupides qui se permettent. Qui sont incapables de garder et retenir déjà un homme. Hein? Gege Bassi, déjà, la frère Mos, n'a qu'à diaspora. N'a qu'à combat surtout. Arrange-toi, si n'aime sortir, n'aime simve, va chercher un autre frère. Ben, qu'il y a un combat un peu loin. Pourquoi n'aime l'alka, ben, qu'il y a un combat? Koulalaka, ben, qu'il y a un combat. Pourquoi? Hein? Et vous savez pas que ça crée des conflits après entre hommes? Avec leur ego surdimensionné? Vous savez pas que ça crée des conflits? Ma kambomi balé, bon mamo kili mobimba. Yali bosonde likambo ya falanga. Yali bas ya mi balem likambo ya basi, baninga boti ya matoye. Hein? Miga bikun. D'accord? Un minimum de respect. Dite qu'on va kouba kwa kete di kayabu. Geme katoua, geme kwa nukune. C'est quoi ça? Hein? Facebook, on va kouba kwa kete réseau ya ben ya prostitution. C'est la prostitution. Hein? C'est de la prostitution déguisée, les amis. Hein? Vous n'allez pas m'envoyer. C'est la prostitution déguisée. Moi, qu'on fait. D'accord? C'est une honte. Si je mets là déjà, ma calme, c'est la diaspora. Là, il y avait un deuxième. C'est une honte. Ok? Oh! Moi, faut savoir là-bas ta marque. Vous êtes incapable de retenir les hommes. Et quand je vois qu'il y a quelqu'un qui va prendre ça au mariage, c'est toi-même qui va payer ton mariage. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Je vais me marier, je vais me marier. Mais fesses, oui. Parce que tu veux te marier, tu es obligé. Mais il y a tellement de gloufou dans Sony. C'est honteux. Hein? Là, mais c'est même que ma vidéo, il y a un vana fing. Oh, il y a un problème là et tout. Parce qu'il y a un normal vie. Les amis, la bouche, quand façon qu'elle fasse. Vous savez, j'ai été interpellé par Filature à Paris le 20 mars 2021 à 17h. Je n'oublie pas. Hein? Il m'a interpellé, Filature. Oh, c'est toi qui insultes les gens sur Facebook et tout ça. Filature. S'il est là. Il va dire oui, je l'avais interpellé, Filature. Il y avait Noumazalaï, il y avait Ferréol Obembe, il y avait Lévi-Strauss, Lucien Lévi-Strauss, il y avait le jeune Junior Fariste. Mon nom est toi, Mounie. Hé, ma père, il a fait ça. Mouke Kangak. Hé. D'accord? T'étais des bicos. Il y a des gens qui pensent que se marier, c'est. Hein? Voilà. Si regarde notre soeur, elle est obligée de mentir. Elle est obligée de se parjurer. On va dire ça comme ça. Hein? Gébé ça, le dernier, il a mis sur Facebook, il a mis sur Batnews. Gébé l'animation que j'ai changé d'yaka. Mais il y a une doc, il y a une salité. Mais tu es sale, hein? Hein? Mais qu'à cause de langage, je vais. Mamona. T'as la moutre comme ça, là. Il a mis ça, hein? Juste son chien, il si son chien fait, bon, on peut le couper, on peut le couper. Hein? Bon, on peut le couper, on peut le couper. Regardez-moi ça. Non.
Car là, je t'avais demandé. Inga. Je t'avais demandé d'arrêter. Tu l'as quand même fait ce live. N'oublie pas, c'est ta sœur. C'est ma sœur, mais c'est ma sœur. Ngolou d'Afrique est censée être sa sœur aussi. Laissez-moi avec les conseils. Laissez-moi avec les conseils. J'avais dit, il faut que je le dise. Puisqu'elle pense avoir le monopole de l'insolence. Donc, elle est la princesse insolente. Eh bien, moi, je suis sa reine insolente. D'accord? Parce que c'est pas normal. Non? C'est pas normal. Oh, puis mes moines comme ça, là. En tout cas, colère, vous venez à Boubia, Octavie. Mouka soana fait na ma quinte, toi. Mouka soana fait na ma quinte, mouka noana fait na ma quinte, toi. Ok? Parce que je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Oui, Ngolou d'Afrique. Toi aussi, on s'était entendu. Si tu voulais que je ne fasse pas le live, tu me donnes 1000 euros. 10 000 euros. Ou alors tu vois avec le propriétaire de Facebook. Tu ne l'as pas fait. Ou tu vas voir avec mon père au cimetière là-bas. Tu ne l'as pas fait. J'ai fait mon live. Les bons comptes font les bons amis. Mais tu as aussi clashé que ça ne vous a pas vu. Ngolou d'Afrique, pourquoi clashé que ça ne vous a pas vu dans ma partage? Parce que je ne savais pas que tu étais cher comme ça. Je ne savais pas que j'avais une pépite d'or sous mon nez comme ça. Hein? Bon, si, Kalakwa, comme vous savez que Ngolou d'Afrique égale fric. Ngolou d'Afrique égale partage égale vue. Abi, quand vous êtes fan de Kobouang, hein? Oui, il y a un cas, il y a un tombe succès. Mais il y a un tombe succès, il y a un Ngolou d'Afrique, il y a un calme. Ah oui. La caravane peut s'arrêter 5 minutes pour corriger le chien. Je ne sais pas qui a dit ça. Donc voilà. En tout cas, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec le comportement d'Octavie. Ce n'est pas bien. C'est de la traîtrise. Là, c'est ce qu'on appelle faire un coup de pute. Voilà. C'est mettre la pommade à son homme. Et ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Nous sommes les femmes. Nous sommes des femmes. C'est à nous d'essayer de ramener. On a vu que nos hommes ont failli. Regardez comment les hommes se comportent. Alors, au lieu que bête ou n'a belle. Quoi? Je bloque qui je veux. D'accord? Regardez-moi les gens comme ça. Pourquoi tu nous avais bloqués? Mais oui, vous êtes éloignés, vous me faites chier, je vous bloque. C'est pas compliqué. J'ai toujours dit, je suis très dur envers les gens que j'aime. Je suis très dur envers les gens que j'aime. Il y a des gens qui peuvent faire des choses, je suis là, je fais comme si je n'ai pas vu. Parce que j'en ai rien à foutre. Mais toi qui es censé être mon frère, toi qui es censé être ma soeur, je ne vais pas te rater. Ah oui, je ne vais pas te rater. D'accord? Voilà, on est entre nous Congolais. Essayons de nous accepter, de nous respecter. Il n'y a pas une ethnie qui soit au-dessus de l'autre. Il y a l'autre qui avait dit, je ne sais pas si c'est Zoum ou Zoboyo, qui dit, si le, je ne sais pas qui a dit ça, si le pétrole était chez nous, la mer, l'océan était chez nous, le port d'or était chez nous, qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? Que personne n'aurait mis les pieds. Mais effectivement, on le sait que personne n'aurait mis les pieds. On le sait que personne n'aurait mis les pieds. D'accord? On le sait. Voilà. On le sait. Tout le monde le sait. Mais les gens n'osent pas le dire pour ne pas frustrer. Mais ce que vous faites, vous frustrez les autres. Et au final, ça crée une méfiance. Et voilà. D'accord? Amen. Moi aussi, je parle de Amen. Tété de Bikos. Le Congo sera dirigé par une femme. Maman, j'ai la sœur, comment on appelle? La sœur Nedine, comment elle appelle? La sœur, comment on l'appelle là? J'avais parlé de ça avec elle. J'ai parlé avec ça, le Congo sera dirigé par une femme. Parce que ces hommes-là, il y en a marre. D'accord? Les hommes-là, il y en a marre. Mais, quelle femme? Faut mettre 8 années nous déjà. Faut mettre 8 années déjà entre Beto. Parce que ça commence comme ça. Si un frère est capable... Belle, parce que ça, c'est dans la Bible. L'histoire de Caïn ou Caïn et Abel. Non, 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 non. La Bible, ce n'est pas nous, ce n'est pas nos ancêtres qui l'ont créée. Ce sont les Blancs. D'accord? Arrêtez ça, s'il vous plaît. Moi, je ne prie pas, j'en ai rien à foutre. Vous priez votre petit Jésus, il n'y a pas de souci. Mais venez pas me faire chier. Il y a des choses qui ne se font pas. D'accord? Il y a des choses qui ne se font pas. C'est tout. Trop, c'est trop.
Trop, c'est trop. Mais me quoi? Donc voilà. Mais on dit mais bête biken mambuina. Ya me kou boya, me kou boya, me louta, me louta. Passons à autre chose. Vous ne pouvez pas accepter une personne comme Sadio Morel Kanté, une personne comme Nouma Zalaï. On n'entend jamais parler des vrais enfants légitimes de Nouma Zalaï. Pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi? Est-ce que ce monsieur n'est pas, il n'est pas en quête de reconnaissance, mais est-ce qu'il n'était pas une vengeance pour lui de salir le nom de Nouma Zalaï? Hein? C'est quoi ça? Allez regarder la page de Nouma Zalaï, allez voir tout ce qu'il met sur Ngolou d'Afrique. Et regardez les femmes, Larry. Comment elles, même les hommes. Je ne sais pas qui s'appelle vieux bougie là. Des safoubieux. C'est une honte. C'est une honte. Mais ce qui est sûr, vous n'allez pas voir nos frères Larry et nos frères Vili se rabaisser à votre niveau, entrer dans les histoires des femmes. La différence, elle est là. D'accord? Quand c'est comme ça, je vous le dis. Ok? Voilà. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ok? Donc, il est temps qu'on arrête ces conneries-là. Ces querelles qui n'ont ni queue ni tête. C'est un héritage empoisonné qui nous ont légué nos ancêtres. D'accord? Nathan et Bawin, ordinateur, Van Davé. Les réseaux sociaux, il n'y avait pas. Bête, mais tu sois chancina. Donc, on peut encore les utiliser à bon escient. Hein? Arrêtez un peu tout ça. Arrêtez un peu tout ça. Ok? Toye Bani. Comme dit Filature, les filles sont ci, sont ça et tout. Oui. Nous sommes des gens paisibles, nous. Hein? Nous sommes pacifiques. Comme dit, oui, Tister n'a pas voulu qu'on tue les enfants du Kwilu. Il n'a pas voulu ça. Il n'avait pas les épaules pour supporter cette responsabilité. Ok? Donc, soit ça se passait, soit il lâchait l'affaire. Eh bien, il a lâché l'affaire. Oui. D'accord? Et là, Octavie, là, elle a parlé des gens de chez vous. Et vous, les Larry, au lieu de venir tirer en l'œil en l'air sur des conneries, j'ai vu qu'il y a des gens de chez vous qui sont en train de souffrir là-bas. Faites au moins une chaîne hein, pour leur venir en aide au lieu de raconter des conneries. Toi, la Clémence Mouatou, là, désespérée de première classe, hein, périmée, vieille shrapnel, toi qui demandes aux gens de casser la gueule à Ngolou d'Afrique, de la déshabiller, de la laisser nue, de la... Qu'est-ce qu'elle a sorti un mot? De la tabasser. Pourquoi tu ne viens pas le faire toi-même? Hein? Pourquoi tu viens pas le faire toi-même? C'est pas gentil, c'est pas bien. Il y a qu'un entre béto. Il n'y a pas longtemps, on a déshabillé des femmes à pointe noire. Ça a choqué l'opinion internationale. Ça a choqué tout le monde. Et aujourd'hui, sur un problème que tout le monde sait, vous voulez qu'on dise, vous envoyez des gens pour déshabiller une maman? Mais bien qu'il y a pour la ouka. Hein? Oh. Bref, voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Ngolou d'Afrique, la nébuleuse, désolé. À vous tous qui m'avez conseillé, je vous avais dit zéro conseil. Vous allez m'interdire, mais vous n'allez pas m'empêcher de parler. J'ai parlé. Si ça ne plaît pas à Octavie, qu'elle me cherche. Si c'est une femme, si c'est une vraie femme qui coule en bas quand le robinet d'en bas la s'ouvre, si elle aussi elle a le robinet là, qu'elle m'invite. Pour qu'on parle de femme à femme. Mais si elle n'a que de la gueule, eh bien qu'elle la ferme à jamais. Qu'elle se taise et la ferme à jamais. Voilà. Parce que moi, des idiotes comme ça, j'aime bien. L'ité pour un gueule, qui nous tranquille. C'est pas sérieux. Regardez mon thé, mon thé. Comme on m'a dit du même. Hein?
Mais oui, on est en Europe. On est en Europe, on est censé être une famille, on est censé être solidaire, on est censé être ensemble. Même si on ne. Voilà. On est censé se respecter déjà. Et, mais c'est le style de personne. Demain, si Ngolou d'Afrique, cousoua problème, na baba tu yandi na kona idika mambo yandi na. Ba ke cautionner que baba tu une talis Ngolou d'Afrique. Il y a que son, il y a que qui a dit. Il y a que son, il y a que qui a dit. Hein? Il y a que Sony. Moi, je ne peux pas concevoir cette façon de faire. Même cet idiot-là qui raconte. L'autre, là, comment on l'appelle? De Noumazalaï, là. Même demain, si Moutkouz n'accuse Boulen, je serai contre. Je serai contre. Parce que c'est pas normal. Au fond, ça sert à rien. D'accord? Mais sincèrement, ce qu'il est en train de faire. Noumazalaï, un jour, tu me trouveras sur ton chemin. Hein? Tu n'es pas aux États-Unis, tu ne penses pas faire comme ceux-là qui sont aux États-Unis, au Canada et tout ça qui se permettent de faire le fou là. Hein? Parce que le fou, tu le feras une seule fois. Parce que n'gaga style à moutou, m'gaga katou garniture à meng, m'gaga fotenga à la figure sans que t'aies moulou. Hein? Pourquoi tu sois maïl? M'gaga la bifou, hein? Maintenant, si les autres ou Kaboul baba, tout bel quoi la boîte la belle, mais quoi Kaboul la boîte la belle, mais quoi Kaboul la boîte la belle. Allez diviser les gens de chez vous. Ok? Ce n'est pas parce que vous êtes des Congolais, vous avez la nationalité congolaise, que vous vous prenez pour des Congolais à part entière. Non! Non! Vous êtes venus de quelque part. Voilà. Regardez-moi ça. Ce n'est pas sérieux. Hein? Vous n'avez même plus de dignité à ce point. Hein? C'était le Mikos, comment on dit Bounsana? Iwa Bouklayao. Bah. Ban Boussian, Ko Boussian. Boussana, non, a ben Kouba Bouklayao Faso. Bon. Mouzons, je ne sais pas, le français a fouillé aujourd'hui, nous avons un problème. Baba Nin Kevin, ma parent, les deux, Kouba Bouklayao Faso dans le poutou. Hein? Mouzimane. Baba Nin, papa n'a pas mis Koufa. Baba Bouklayao Banane. Bah, orphelin. Maintenant, on a quiconque. Parce que ça fasse ou bien là qu'il arrive. Gédit à Koubik, vous tranquille. Balari, mais ça dit que Balari, il faut pas changer. Même coup, mais il faut boubiaï. Hein? Qu'on a l'an, qu'on se voit l'an, maintenant. Combe, net, nanier. Oui, je sais, t'étais des bicos, je sais. Mais que ça, vous avez dit non, non. C'est pas normal. Les Larry, c'est des gens qui sont fiers quand même. Ils sont courageux. Ils sont économes. Ils sont intelligents. Ça, j'avais oublié. Ils sont intelligents, ces gens. Hein? Mais tout ça, Larry, attends-moi. Yaboubiaïvé. Yaboubiaïvé. Eh, Bounsana. Dis Bounsana. Ils voient maintenant en Israël, Noumazalaï, le nouveau Paco. Ah, on doit se poser des questions, les amis. Hein? On doit se poser des questions. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est honteux. C'est honteux. Donc voilà. En tout cas, je souhaiterais appeler à la paix. Bet biken. D'accord? Comment on l'appelle? Okemba, Esther Okemba, je sais qui tu es. Par contre, Junior Malonga, croyez-moi les amis, c'est Israël Noumazalaï. Parce que je l'ai flairé hier, hier ou avant-hier, sur le live de Bob et Baka. Moi, je sais comment il écrit, non? Je sais comment il écrit. Il n'était pas encore là. C'est quand il est arrivé que lui, il commence à écrire, laisse-nous partir tranquille. Et après, faut pas généraliser les larions. Oh là 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 là. Là, il y a encore un. Oh, mon frère ou ma soeur. Ikiko. Iki, on parle des Laris en général, mais en particulier, on parle des brebis galeuses Laris. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est pas possible, ça. Hein? Quand l'autre. Quand l'autre, Esther Okemba et Junior Faris, là. Pasteur Noumazalaï. Ça fait un moment que j'ai fait ton profil, là.
Hein? Je te profile, ça fait un moment. Parce que bien que Baba tu veux. Donc, Betu Biken Mambouina, Betu Telamenu, arrêtons de nous lever pour des futilités et tout ça. L'autre, il avait insulté les vili. Aucun vili s'est levé. Même Moun Moutre Vonana Yunonette Kayabou, je ne l'ai même pas ouvert. D'accord? Parce que quand je l'ai vu. Voilà. Moi, j'ai beaucoup traîné avec. J'ai pas traîné avec les copines au quartier, moi. Moi, je traînais avec ma grand-mère. Ma grand-mère, je préférais traîner avec ma grand-mère. Et quand il y avait un souci avec. Surtout, c'est les Larry. Et ma grand-mère disait Big Chiyok. Je lui ai dit Big Chiyok. Je lui ai dit Somnake. Oh, mais je ne sais pas si c'est un homme qui a un finger. Je ne sais pas si finger. Mais je ne sais pas si c'est un homme qui a un finger. D'accord? Donc ça a toujours été comme ça pour éviter les conflits. En fait, le vili, c'est quelqu'un qui évite les conflits. Ce n'est pas parce qu'il est faible ou quoi que ce soit. Il préfère éviter les conflits. D'accord? Mais les autres prennent cela comme si c'était... non, 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 non. Mais tu se respectes, nous. On est tous des Congolais, on est tous pareils. D'accord? Toutes les ethnies sont pareilles. Je ne veux pas de la séparation de notre pays. Je veux un Congo uni. Mais pour que cela soit uni, pour que cela soit fait, faudrait que Betu Pessané nous respecte et qu'on s'accepte. Faudrait qu'on commence déjà à s'accepter. Et Betu Ndimène, le pionnier, accepte la critique et l'autocritique comme moyen de se perfectionner. D'accord? Donc voilà, arrêtez de sortir les mots de leur contexte. Arrêtez de sortir. Je sais que c'est choquant de voir des femmes vilies parler aujourd'hui. Je sais que c'est choquant. Mais nous ne sommes plus au temps de nos mamans là. Non, non. Et moi, je ne parle pas parce que je suis en Europe. Non, moi, ma bouche, c'était depuis chez moi. Mais nos pieds avant. Mais ça va. Ma coulou na zoom le nénè. Moi, je t'ai tapé 2 heures. Parce que ma boku kouba déjà la pied avant. Ni nous avons si kanye. Eh, oh papa, mais tellement vana cause kouné. Vrai loupé ni vana naya. Papa, me connaît un boule mouna mani. Eh? Dans l'oumi, nous avons banana mou depuis. Toi, mouka salave, bien banana mou depuis la boîte. Eh, ok, veille, ah ouais. Voilà, m'ku basique. Donc, Betu Pessané nous respecte. Moi, je prends l'amour et le respect. Surtout le respect. D'accord? Dans toutes les relations, si vous dites qu'elle veut, il n'y a que compliqué. Il n'y a que compliqué. D'accord? Donc, s'il vous plaît, mes frères et sœurs Larry, on va arrêter tout ça. On va arrêter tout ça. Je l'ai dit, vous êtes comme ça. Golou d'Afrique l'a dit, vous êtes comme ça. Octavie, qui aujourd'hui a dit ça aussi. Donc, il y a déjà 3 personnes qui le disent. Donc, 2 déjà, c'est le pluriel, il y a 3. Même si, voilà. Donc, il faut maintenant qu'on taltete ce qui s'est passé. Hein? Mais c'est une rétrospection. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui s'est passé au tribunal m'est resté en travers de la gorge. C'est pas possible. C'était pas possible. D'accord? Aussi bien, je n'ai pas aimé que Nick Fila vienne casser la gueule à Noumazalaï. Je sais même pas, il est doux, le Nick Fila, là. Mais encore moins accepter qu'un frère, Larry, se dresse contre son propre frère. Hein? Bouzo bango banda la naniaya, depuis même la guerre in bandak. Hein? C'est ça, hein? C'est ça, hein? On ne sait plus qui est qui sur la place de Paris. Hein? On ne sait plus qui est qui. Mais méfiez-vous. Parce que Paris est sous contrôle. Bega la sonive. Quand vous voyez quelqu'un comme Noumazalaï, hein? Quelqu'un comme Noumazalaï, nanjon tantim venga, nanjon mi bourgou bouin moukar mi porgon ritik. Hein? Kouritique. Mais c'est lui qui veut dire que Paris est sous contrôle. Vous savez à qui il le dit? Vous savez les messages, les messages codés à qui il les envoie? Hein? Vous savez à qui il les envoie? Oui, bonsoir maman Tété. Hein? Oh, Bentalson Nico, Bentalson. Paris est sous contrôle.
Hein? Bah, larineuse. Tous les laris commencent à lui manger dans la main. Tous les laris commencent à manger dans la main de Noumazalaï. Aïe! Aïe! Le lari, lui qui était fier. Hein? Non, mais oh! Quand même. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. Vous ne pouvez pas faire ça. On peut comprendre que vous êtes déboussolé avec tout ce qui s'est passé avec Olila, mais non. Ce n'est pas votre berger. Mais je vais écrire un bouquin. Soit le berger a trouvé son troupeau, ou c'est le troupeau en trouvé un berger. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, 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 non. Demain, il va se foutre de vos gueules. S'il n'a pas déjà commencé. Arrêtez ça. Vous n'avez pas besoin de sa haine. Hein? Diviser pour mieux régner. Et vous savez très bien, c'est ce qui fait que l'héritier de Brazzaville s'éternise au pouvoir. Vous le savez. D'accord? Vous le savez. C'est pas sérieux. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Donc, la Octavie, c'est une menteuse. Donc, si elle peut déjà mentir comme ça au vu et au su de tous, Dieu seul sait ce qu'elle peut mentir en couple, en intimité. Je dis ça, je dis rien. Maintenant, pour ce qui est de mes frères Larry qui veulent qu'on leur brosse dans le sens du poil, écoutez-moi, je ne vous veux aucun mal. Vous êtes mes frères et sœurs, je vous aime. Mais je vous dis la vérité. Ce que tout le monde, la plupart, pense tout bas, ils le pensent, ils n'osent pas le dire. Moi, je vous le dis. Ils vont venir faire semblant et tout ça, c'est faux. C'est faux. C'est ce que les gens pensent de vous. Donc moi, je vous dis la vérité. Benkou Abemoun, je vous dis la vérité. Ah. Si Benkou Abemoun, c'est bien. Si Benkou Abemoun, c'est bien. Mais l'oumbiaké niengin benou. Ni mounou yaké natin noamoun. Je vous avais pas dit ça. Ha! Voilà. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et conseillons-nous, rééduquons-nous. Il y a des choses qui ne passent pas. Il y a des choses qui ne passent pas. Voilà. C'est pas bien. Herman Yoka, Papa Mindondo. Herman Yoka, alias Papa Mindondo. Donc, bonne soirée à vous. Ma chérie, kuna na Luanda. Déga ku Luanda kwe, ibabile. Nous boubotier. Eh bien, tout le monde va cœur. Combien vous dites ma cœur Marquina? Vous êtes 33, monsieur, il n'y a personne qui met des cœurs. Oh, mettez les cœurs. Oh. Mais tout le monde va cœur moukouen l'alf. Peut-être que vous avez un peu de temps pour vous. Peut-être que vous avez un peu de temps. Eh, bah, tu m'y es. Les amis, j'en ai rien à foutre. Foua kabou déjà, kabou bol mebikan. Maman André, bonne soirée à toi, ma chérie. Kuna la Luanda. Eh, Colou d'Afrique, bonne soirée. La nébuleuse, ma princesse, bonne soirée. Maman, Colou d'Afrique, n'engue na koklacheo. Ah oui, ils sont tout au Luka, ba succès. Gapé na ou Luka, succès, c'est qu'à la fin de Jawa. Maman, hey. Je ne peux pas laisser les gens se faire des vues et des partages pendant que au lieu que je vais cueillir à la source. Je vais te clasher, Golou d'Afrique. Hein, je vais te clasher. Vue, partage, fric, pamba, pamba. Je vais faire la page à TikTok. À chaque fois que je vais clasher, Golou d'Afrique, il y en a tant de belles à battre. Regardez-moi des gens comme ça. Pour des futilités, ils sont number one. Pour des futilités, ils sont number one. Mais quand on a besoin des mamans, créant une dynamique, essayant de faire ci, faire ça, il n'y a personne bon d'égoïste. Mais pour des conneries, elles sont number one. Hein? Avec cette idiote de Clémence Mouatou, là. Hein? À son âge, elle est encore concubine. Concubine, donc ma cam. À son âge, désespérée, périmée. Voilà. Bref. Ah. Ah oui, Herman Yoka, bonne soirée. Eh, hey, papa Mindodon, qu'est-ce vrai? Bonne soirée. Oui, Yaya, lui, il cherche ses problèmes.
Après, tu veux encore me traiter de Mindondo? Non, qui est Mindondo, papa? Je sais. Herman Yoka, alias Miss Mindondo, Mister Mindondo. Donc voilà, en tout cas, Benostu Benlal bien. Et s'il vous plaît, essayez de passer le message autour de vous qu'on arrête tout ça. Ça ne sert à rien, ça vaut pas le coup. Il y en a qui se frottent les mains. Il y en a qui se frottent les mains. D'accord? Et c'est bien triste. Voilà. Donc, une petite chanson pour remercier mes ancêtres. Hey, wow. Tu t'en as un peu rire. Aïe. Naboun Beno, depuis Moussala live vieille, Naboun mouvement aussi populaire. Ma message, naya bien, naya koufing, kakoumoun. Ba non, bas invitations. Ben tal ka ben mous, mouwe kan kwan koumbwe. Ben tal ka ben mous. Ben tal. Ben tala. Ben tala invitation. Ah, téléphone gopek la ouka. Ben tala invitation. Hein? Na boun moufan célèbre bakil. Ben vigila mge klachen golou d'Afrique pour que ben tala ma célébrité ou. Hey! Maman. Il va me koun tombe en popularité. Yala bato. Mais c'est quoi ça? C'est une honte. Alors, il y a des blancs qui me demandent, même mon ami, je ne sais pas pourquoi, ils voient bien que la page est. Ma page est uniquement pour les Congolais ou pour les Africains, on va dire. Les Congolais en particulier. Donc, quand je vois des blancs qui. Je ne sais pas ce que vous cherchez. On va mettre la chanson de Dinganze. Hein? Good night. Tu es raciste maintenant. Ah, pourquoi voilà mon raciste depuis. Papa nous a même. Bonne nuit. Nani susu beli kweni mununye, nani wabashu yalala. Ususu beli kweni kumpenge, na wabashi kuyalala. Danzi beli kweni kumpenge, na wabashi. Maman boumou banou moutandoye, l'état toilette balaye. Toi si tu coucouis, tu banou mouyetkeye. Bo toi kanta ti mame. Ah mon koulou. Na wabasla kouyala. J'étais tranquille, Octavie m'a provoqué. Et ben je suis sortie. Mambo sweka noye mo be fui ke mu mitiminu au benu basalila
kwanjidi beli kwanji kumpenge na wabashia. Chupa. Na wab. Now a bassinat kuyalala. Now a bassinat kuyalala. Now a bassinat kuyalala. Now a bassinat kuyalala. Voilà. Bonne nuit à famille. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis bon week-end et à la semaine prochaine. Alors, je ne vais plus parler de cette histoire. Hein. Je ne parle plus de ça. C'est fini, c'est terminé. D'accord? Bon, tant qu'on ne me provoque pas. Mais bon, même si on me provoque, même si on dit des choses sur moi, je vous fais une promesse que je ne réponds plus. Je ne dirai plus rien. Golou d'Afrique, je te promets, je ne dis plus rien. La nébuleuse, je vous promets, je dis plus rien. Ludovic, bienvenue, je promets, je dis plus rien. Je sais que vous m'avez interdit de le faire, il fallait que je le fasse. Voilà. Mais là, je promets, même si quelqu'un me provoque. Bon, à part Octavie. À part Octavie. Octavie, la seule chose que je lui demande, si ça ne passe pas, si ce que j'ai dit, ça ne lui plaît pas, qu'elle m'invite. Qu'on parle de femme à femme. C'est tout ce que j'attends. Mais si c'est pour me faire un live derrière un téléphone, c'est de la lâcheté. Qu'elle m'invite, on parle. Herman Yoka, je promets, s'il y a un rat d'égout là, ouvre sa bouche, je ne vais pas répondre. Hé, mon Dieu, belle bite, tel, vous me promets, je n'ai pas promis sur la Bible aussi. Hein. Je vous promets même. Hein? Non, j'ai rien promis là. Je n'ai pas dit, je le jure. Il s'enlève quoi, on peut se couver. Je n'ai pas juré sur quelqu'un. Hein. J'ai juste dit, on ne sait jamais. Voilà. Donc, conseillons-nous. Hein? On dit qu'on, qui aime bien châtie bien. Conseillons-nous, la famille. Mais tu t'en bois là. Dans le sud, il y a trop d'ego surdimensionné. C'est pas bien. Mais tu t'en bois là. Allez. Je vous souhaite une bonne soirée. Dormez bien. Et ciao, ciao. To all of you.